Bienvenue à nouveau sur euh, notre chaîne YouTube One Stop Shop Michael Moher. Merci à tous ceux qui nous suivent, s'abonnent, partagent, aiment nos émissions. Comme d'habitude, ça nous fait plaisir quand vous réagissez comme ça. Aujourd'hui, dans notre section fiscalité ou taxes aux USA, nous allons continuer à parler de notre deuxième module euh, nommé euh, crédit d'impôt ou tax crédit. Là, nous avons commencé. Alors, dans la deuxième partie de ce mot -dire, nous allons expliquer des sous-titres à savoir. La première des choses que vous devez savoir, ça serait les crédits pour les autres personnes en charge et la deuxième, ça sera les crédits pour garde d'enfants des personnes en charge. C'est très important, il faut bien suivre ça. Alors, nous parlerons également du crédit d'impôt Supplémentaires pour enfants, pour rappel. Donc, on va essayer un peu de rappeler ça parce que les gens n'ont pas bien compris. Tout d'abord, expliquons les crédits pour les autres personnes en charge. Un contribuable peut euh, avoir droit à un crédit pour euh, euh, autre personne en charge d'un maximum de 500 dollars à l'égard euh, d'une personne en charge euh, autre qu'un enfant, un parent ou un frère ou une serre à charge, par exemple. Vous comprenez, donc vous pouvez avoir beaucoup de gens qui sont à votre charge dans la maison, vous pouvez avoir 500 dollars pour ça. Ou bien un enfant éligible pour lequel un crédit est refusé uniquement parce que le contribuable n'a pas inclus le numéro de sécurité sociale de l'enfant dans les déclarations de revenus de l'année d'imposition. Donc le, le numéro de sécurité sociale est très important. Quand vous oubliez, vous pouvez aussi avoir ces crédits-là. Alors, les crédits pour autres personnes à charge s'ajoutent au crédit pour frais de garde d'enfants et des personnes à charge et au crédit pour revenus gagnés et est limité à 500 dollars, je l'ai dit, maximum pour chaque personne à charge. Et surtout euh, qualifiée ou admissible. Là, il faut savoir, les personnes qui bénéficient de ça sont des personnes qui sont qualifiées. Pour être admissible, au crédit pour les autres personnes à charge, la personne doit remplir toutes les conditions que nous allons donner. Premièrement, la personne doit être déclarée comme personne à charge sur la déclaration du revenu du contribuable à la fin de l'année. Ça c'est très important la première des choses. Et la deuxième, la personne, il faut comprendre, la personne ne peut pas être utilisée par les contribuables pour demander le crédit d'impôt pour enfant. Donc et les crédits d'impôt supplémentaires pour enfants. Donc, vous ne pouvez pas déclarer cette, uh, ces crédits quand vous avez déclaré les enfants déjà. Donc, il ne peut pas y avoir des crédits. La troisième fois, la troisième, le troisième point la personne doit être euh, un citoyen américain ou un, un ressortissant américain ou un étranger résident aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça, c'est pour être qualifié. Alors, c'est très important de connaître cela. Le crédit maximal accordé à un contribuable, en tant que crédit pour autre personne en charge, peut être réduit. Si l'obligation fiscale du contribuable pour l'année est inférieure au total des décrédits, si le contribuable n'a qu'une obligation fiscale pour l'année, aucun crédit ne peut être pris. Alors. Les revenus bruts ajustés que nous appelons ici euh, MAGI est supérieur au seuil suivant. 400 000 dollars américains si le mariage est déposé, c'est-à-dire les les, 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 les retours sont est, euh, est faits entre deux conjoints. Ou 200 000 dollars si... Autre statut. Donc si vous avez autre statut, donc 200 000 dollars vous dépassez, vous ne pouvez pas bénéficier de ces crédits. Si les revenus bruts ajustés modifiés du contribuable... Dépasse ses montants pour son statut euh, de déclaration, les crédits disponibles est réduits de 50 dollars pour chaque tranche de 1000 dollars ou fraction par lesquels les revenus bruts ajustés modifiés du contribuable dépassent les montants du CEC. Ça, c'est très important, euh, mes frères, téléspectateurs et SER. Les revenus bruts ajustés modifiés du contribuable, au fin du crédit, pour euh, les autres personnes à charge et les revenus bruts ajustés du contribuable, plus les éléments suivants, les, suivant les montants des cas échéants. Donc, euh, par exemple, pour réclamer euh, les crédits pour les autres personnes à charge, le contribuable doit satisfaire aux exigences suivantes. Donc, vous devez satisfaire vos exigences souvent pour avoir ces crédits-là. La première, première exigence, le contribuable doit produire le formulaire 1040, le formulaire 1040SR ou le formulaire 10NR et inclure les noms et le numéro d'identification que nous appelons NIF de chaque personne à charge pour laquelle le contribuable demande les crédits pour les autres personnes à charge. Les contribuables, ça c'est l'autre point, les contribuables doivent produire les formulaires 88 et d renseignements pour réclamer certains crédits remboursables après REFI, le cas échéant. Là, c'est très important. Alors, le point suivant aussi, il faut savoir, il ne faut pas oublier, les contribuables doivent avoir un numéro de sécurité sociale requis pour chaque enfant admissible de moins de 17 ans dans la colonne D et cocher la case crédit d'impôt pour enfants dans la colonne 4 de la déclaration des revenus et aussi les contribuables doivent nécessairement entrer les NIF émis à temps opportun pour la personne à charge demander au je peux dire euh, de créer, euh, demander euh, je peux dire pour les autres personnes à charge dans la colonne D et cocher la case crédit pour chaque, chaque personne à charge dans la colonne 4 de la déclaration des revenus. Donc, euh, il faut savoir que nous essayons de donner notre mieux. Alors, rappelons-nous que les crédits d'impôt supplémentaires que nous avons parlé pour enfants, donc les crédits d'impôt supplémentaires pour enfants, on avait nommé ça CAC, contrairement aux crédit d'impôt pour enfants. Euh, que nous avons nommé CCT est un crédit d'impôt remboursable, ce qui signifie que les, les contribuables peuvent demander le crédit même s'il n'est pas assujetti à, 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 à l'impôt fédéral sur les revenus. Alors, nous allons dire que les ACTC, un crédit d'impôt qui ne peut dépasser un montant maximal de 1 dollars donc ça c'est le crédit supplémentaire, ne peut pas dépasser 4, 1 400 par enfant admissible, n'est possible que pour les contribuables qui reçoivent moins que le montant total du CTC. Remarque, le seuil du CTC peut être utilisé pour calculer le montant de tout ACTC qui peut être réclamé par un contribuable. Le CDO n'est pas pris en compte au fin de la détermination de l'ACTC. Donc, un contribuable qui dépose le formulaire AROS 2555, revenu gagné à, à l'étranger, n'est pas admissible à réclamer ce crédit que nous appelons ACTC. Alors, le crédit pour, euh, pour la garde d'enfants et des personnes en charge est un crédit d'impôt non remboursable, offert à un contribuable qui paye quelqu'un. Pour s'occuper d'une personne admissible pendant que le contribuable travaille ou cherche du travail. Donc, vous avez quelqu'un, grand-père, maman, qui est malade, ce crédit vous concerne. Étant donné que le crédit n'est pas remboursable, aucun partie, aucune partie du crédit applicable ne peut excéder l'impôt du contribuable. Le crédit d'impôt correspond à un pourcentage de frais de garde d'enfants et des personnes en charge liées au travail du contribuable qui ne doit pas dépasser 3 000 dollars pour une personne. Donc une personne ne doit à 3 000 dollars admissibles et 6 000 dollars pour deux personnes admissibles ou plus. Donc si vous avez quelqu'un que vous prenez en charge, quelqu'un s'occupe et vous payez. Donc si c'est deux personnes, c'est seulement 6 000 dollars. Si c'est une personne, c'est 3 000 dollars. Il est en outre soumis à une limite des revenus gagnés. Les montants des dépenses liées au travail utilisé pour calculer les crédits ne peut pas être supérieur à c'est-à-dire on va donner euh, les montants ou soit les revenus gagnés, donc ça ne peut pas être supérieur aux revenus gagnés par un contribuable unique pour l'année ou les plus petits des revenus gagnés d'un contribuable marié ou d'un conjoint pour l'année sauf euh, exemption. Alors le pourcentage applicable est basé sur les revenus ajuster du contribuable jusqu'à 35% de ses dépenses. Donc, on va prendre les 35% de vos dépenses, quel que, que ce soit les montants, on va prendre les montants qu'on vous a dit. Peut-être on peut revoir si vous avez dépensé beaucoup, mais c'est ça la loi, c'est 3 000 et 6 000. Toutefois, le pourcentage de dépenses est réduit pour les contribuables dont les revenus bruts réajustés dépassent les montants déterminés en dollars et est limité à 20% pour les contribuables dont les revenus bruts ajustés est de 43 000 ou plus. Donc, le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants et des personnes à charge est limité à une partie des frais engagés et payés pour les soins d'une personne admissible. C'est vraiment très important quand vous prenez quelqu'un en charge. N'oubliez pas, ce crédit, c'est très important. Nous, nous vous donnons ça quand vous envoyez les enfants au décaire et tout qu'on sort. Donc, une personne admissible est. On va parler de la personne admissible et l'enfant à charge admissible du contribuable, âgé de moins de 13 ans. De les conjoints du contribuable qui n'étaient pas physiquement ou mentalement capables de prendre soin d'elle-même. Il faut comprendre. Et aussi a vécu avec les contribuables pendant plus de la moitié de l'année. Donc, moi, pour moi, je prends le minimum de 7 mois toujours. Ou une personne qui n'est pas physiquement ou mentalement capable de prendre soin d'elle-même. Donc, là aussi, on vous donne ce crédit-là. Et avec qui Avec les contribuables, pendant plus de la moitié de l'année. On répète toujours, pour moi, je prends 7 mois. Parce qu'on ne peut pas donner, si la personne a fait 5 mois, on ne vous donne pas ce crédit-là. Ça doit être au moins plus de 6 mois. Donc, la personne était-elle à la charge du contribuable ou aurait été la personne à la charge du contribuable Sauf pour certaines raisons précisées. Donc, c'est-à-dire, la personne peut être à votre charge ou soit, peut-être, il y a d'autres raisons que nous déterminons en tant que professionnels. Donc, il faut savoir qu'un contribuable admissible au crédit pour enfants et personne à charge doit avoir payé les frais de garde d'enfants et de personnes à charge pour les soins d'une personne admissible au cours de l'année afin de travailler ou de chercher du travail. Donc, vous êtes occupé, vous payez des frais pour les enfants ou personnes à charge. Là, on vous donne ce crédit-là. De plus, le contribuable doit avoir un revenu gagné au cours de l'année si le contribuable... Et son conjoint font une déclaration conjointe. Les deux doivent avoir gagné un revenu au cours de l'année, à moins qu'une exception ne s'applique, parce que le conjoint est étudiant ou incapable de prendre soin de lui-même. Le statut des déclarants euh, d'incontribuables célibataires admissibles peut être célibataire, chef de famille ou veuf, veuve admissible. Donc, il ne faut pas oublier, toutes les catégories sont considérées à condition que vous respectez la loi. Donc, si le contribuable est marié, il doit produire une déclaration conjointe, à, à moins qu'une exception ne s'applique. Les formulaires IRS 2441, frais de garde d'enfants et de personnes en charge, doit être rempli et joint à la déclaration de revenus du contribuable. En règle générale, les personnes mariées doivent produire une déclaration Conjointe pour demander le crédit. Si le statut de déclaration du contribuable est marié et que toutes les conditions suivantes s'appliquent, le contribuable est considéré comme non marié au fin de la demande de crédit sur le formulaire 2441. Donc, c'est très important de comprendre cela. Le contribuable avec qui séparé de son conjoint au cours des six derniers mois de l'année d'opposition, le domicile euh, du contribuable a été le domicile principal de la personne admissible pendant plus de la moitié de l'année d'imposition. Donc il faut savoir ça, il faut que vous soyez les responsables de la maison plus de six mois, euh, de sept mois, euh, de six mois. Et le contribuable a payé plus de la moitié des frais d'entretien de cette maison pendant l'année d'imposition. Donc, si vous respectez toutes ces conditions-là, c'est bien, vous allez gagner ces crédits-là. Alors, on peut dire si le contribuable remplit toutes les conditions pour être traité comme célibataire et, et pas par ailleurs admissible à euh, demander le crédit, le contribuable peut généralement bénéficier du crédit ou de l'exclusion. Si le contribuable marié ne remplit pas toutes les conditions pour être traité comme célibataire, le crédit ne peut généralement pas être prélevé. Donc là, je suis très clair. Nous espérons que cette vidéo a été instructive pour vous. Alors, ça a été un plaisir pour nous. Pour toute question, pour toute question, j'insiste toujours, envoyez-nous un email à one-stop-shop 368-gmail.com. Ou appelez-nous ou textez-nous, envoyez-nous un SMS au fils 404996 7579. Merci, à la prochaine vidéo. Je vous aime bien. Vraiment, prenez soin de vous. Bye bye.